Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Je pense à Gampa, dans la loi qui a fait rénovation. Et bien âgé de Boka, côté n'a pas remplacé bus métallique qui existe à l'eau. Actuellement, côté de Campéa là, c'est au côté bizarre et fondé. On va connaître sur l'image, dernière image qui est côté de faire première partie de la loi. Exactement, c'est là que Campéa là. Donc, on a fini de faire première partie ça, mais nous avons nous avons passé sur lui. Et puis, on a avancé tout première partie ça, côté de Campéa là, qui finit net, c'est 10 mètres. Et puis nous avons 30 mètres qui nous travaillé sur nous là pour nous remettre dans les prochains jours. Ils ont dit avant 15 juillet, nous avons remettre la deuxième partie de 30 mètres ça. Et puis pour nous avancer, pour peu à peu nous avancer. Bon, si pour nous dans la zone, nous bien accueilli le travail là. Mais même du environnement compliqué, c'est parce que la pluie a travaillé dans la rivière, dans la ravine, c'est toujours comme ça. Chaque fois la pluie tombe, c'est un gros problème. Et dans ce sens, la semaine ça, où la pluie va trop tomber, nous exploiter la pile. C'est ça qu'il faut nous avancer comme ça là. Ça n'a pas fait là, c'est radia, n'a pas fait avant la pluie. Nous faisons radia. Et puis tout le bagage, ok, nous avons coulé dans là. Et pour nous faire remettre ça avant 15 juillet pour nous remettre deuxième partie de 30 mètres ça qui prépare. Normalement, une partie ça qui est en amont, 8 matin et jusqu'à dégraver, et côté bis va effondrer. Et je dis à faire exactement 2 semaines. Et on a réfléchi sur les là. Après, si on a mis un bus en béton. Et tu avances à grand pas. Dans les prochains jours, il y a un moyen d'acheter bus. Et dans 1 semaine, depuis une fin de bus, on a une semaine à suffire pour nous rétablir la partie qui est fondée en haut. Et si c'est un bus en béton, c'est la plus bon pour nous, mais si c'est même partie de la loi, nous allons faire lancer, mais nous avons besoin de plusieurs mois pour faire partie ça, qui sont environ 35 à 40 mètres. Mais par contre, si c'est les fondés, nous sommes obligés de bloquer le monde de passage pour éviter accident. Mais nous demandons aux patients parce que nous avons plutôt mis en route pour des bonnes nouvelles. Et bonnes nouvelles, là, elles ne sont pas arrivées parce que c'est nous n'étions pas là avec DTP, pas plus tard que samedi. Et des matos à marcher à grande vitesse pour nous faire une bus en béton pour nous mettre remplacer bus métallique là dans la partie amont. Et pour elle, nous enlever bus métallique là et puis on a fait pas en béton et en maçonnerie et puis nous faire radier normalement ensuite tout pour les dalles. Et nous finir avec torche, nous couper bus métallique là, nous enlever et puis avec eux, puis nous remplacer normalement par un dalle. Le monde dans Boka commence à satisfaire du travail là. Et ensuite, dans le travail là, les gens dans la zone là, ils sont tellement contents du travail là. Même on épingle, nous ne pouvons pas perdre et nous ne pouvons pas perdre qui vient faire des travaux de pression. Et au contraire, quand nous venons dans la zone, il y a des gens qui ont fait des pressions, des gens qui ont volé. La population a tellement apprécié le travail là. Nous nous féliciter le monde de Boka pour la collaboration. Et bien, il y a un public qui travaille là, nous avons effectué. Et en plus, nous avons un gros coup de chapeau pour le ministre. Nous avons dit une bonne fête et nous souhaitons pour bon Dieu mettre plus de bagages dans le monde pour le faire arriver sur le peuple. Parce que le ministre Nader, c'est le peuple qui a dit qu'il a gagné dans le gouvernement. Il faut aider le ministre en parler, toujours être et parole, il dit qu'il a gagné un impact direct. Et là, nous avons salué M. Matissan et le ministre de l'Intérieur pour vous dire voilà que les négociations sont beaucoup entamées. Mon senti et parole du ministre fait impact sur Matissan avec Fontamara. Parce que je dis la route est ouverte. Route est ouverte, en pile de monde qui va descendre dans la ville, en pile de descendre, viennent chercher et morceaux de pain pour les petits. Et nous voulons beaucoup de chat pour les messieurs autour, pour aussi se faire gourmet entre eux, pour faire un trêve, pour quitter Timounio, pour faire année l'école là. Parce que les gens tirent, la population, c'est des victimes. Et nous demandons à ces messieurs, et pas quitter les gens jouer dans la tête,
Parce que les gens qui semblent ensemble avoir là, c'est nous et pour protéger. Et nous saluons, ni Grand Ravine, ni Tibois, ni Village, ni Christa dans Fontama, nous saluons tous les messieurs. Et nous avons un coup de chapeau tout bas et Cité Soleil et tout, boulevard La Saline, les routes là ouvertes, les travaux publics capables de faire du travail. Nous avons un travail pour nous faire dans un canal fort dimanche. Quelques jours ça nous pas aller, ça gagne zone n'a pas de bon qui tiré. Bon, nous depuis dimanche, depuis hier dimanche là, nous avons zone on la paix. Nous avons demandé messieurs pour faire camper pour travailler même capable d'entrer. L'on a parlé de Petro-Caribé, c'est 1,8 milliard de dollars américains qui te doit financer 398 projets sous président Breval, président Matéli, président Privé. C'est ça que Petro-Caribé a. 1,8 milliard de dollars américains qui te doit financer 398 projets. Deuxième bagage qu'on doit connaître. 98% de Petro-Caribé a pas passé dans le même monde. Et dans mes compagnies qui ont passé. Et deuxième bagaille qu'on doit connaître. Compagnie privée haïtienne et compagnie privée dominicaine. Et pour ça, il faut qu'on dossier, on va faire dossier. Et pour ça, moi-même, j'ai débat dit depuis un vent. Et puis nègre, t'as passé dans la bêtise, et puis tout le monde a raison. Parce qu'il fait dossier. Dans le Caribe, pour ne pas mentir tout, les cobla dépensé 1,8 milliard de dollars américains pour 398 projets. Il y a trois catégories de projets là-dedans. On met Makel Zamabdoula. Il y a un projet qui fait tout bon et qui finit. Et qui veut faire comprendre comme la barre. Par exemple, il y a à peu près 40 ponts qui construit avec comme Petro-Caribé. Il y a une route qui construit. Il y a l'école, il y a un bureau l'État, un paquet de bagages qui fait à comme Petro-Caribé. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est le projet qui commence et qui n'est pas fini. Par exemple, marché Matissan ou bien Fontamara. Marché Fontamara. On sait des projets qui commencent pas fini. Ou là, les projets qui commencent pas fini, sont bah qui sont. On va regarder combien de cob qui dépensent. Est-ce que cob qui dépensent a correspond à état d'avancement des travaux? S'il pas correspond, laissez-moi pas demander de qui prévient. Troisième catégorie, c'est projet côté cob la dépensé et puis projet à pas fait. Cob la dépensé et puis projet à pas fait. Donc c'est trois catégories. Moi-même depuis le commencement, je dis ça. On sait des nègres. Yo prend Petro-Caribé à un dossier politique pour ne pas régler à faire coup d'état. Même pas dans la logique ça. Son monde ou dans la reddition des comptes tout bon, son grand bagaille pour faire, dit depuis le commencement, ou pas de faire politique à un dossier. Ou doit insister sur un grand bagaille. Et c'est pour ça moi-même, j'ai un gros problème avec Bouaguené. Parce que c'est politique qui t'a fait dans le coup des comptes. Je dis que le coup des comptes, si vous voulez utiliser le pays, son grand bagaille pour te faire. Vous devez faire un rapport sur la traçabilité des fonds. Ben mais si ça veut dire. Petro-Caribé qui débloque sous trois présidents ou bien 9 ou 10 premiers ministres, lui toujours prend un conseil des ministres. Et il a toujours approuvé le nombre de projets qu'il va financer. C'est le premier bagage qu'on doit connaître. Deuxième bagage qu'il doit connaître, tout projet qu'il finance, il faut une autorisation au ministère des Finances. Et c'est sous base autorisation au ministère des Finances que la compagnie qui va faire projet, la Banque centrale va le débloquer pour lui. Alors, dit que tout projet qu'il a approuvé, il y a non compagnie qui a approuvé, il y a qui moun qui non compagnie ça qui recevra comme là pour compagnie pour la sous compte en banque compagnie et li gen li projet pour compagnie ça a été fait. Donc l'on fait un rapport sous ça relé la traçabilité des fonds, ou a besoin exactement qui compagnie qui recevra comme ça et puis son bail bien facile. Ou va regarder est-ce que son qui qualité de projet en fonction de qualité de projet ou allemand des ministères concernés à regarder ou bien institution concernée à regarder est-ce que projet ça a été par compagnie encore pour dire est-ce qu'il fait depuis projet a fait pas un problème si projet a pas fait laisse on va demander monde qui prévient même depuis dans commencement de dire ça mais que c'est politique que les André Michel bon nèg ça d'ailleurs André Michel manger dans Petro-Caribé comment pour table c'est pour ça la fait politique là-dedans. Sous privé M. Anel El Krasik, crasé dans le cobla. Nous étions des rapports Fondation Jules. Donc pour moi-même, faut nous honnêtes dans la société. Et les nous avons une approche malhonnête de dossier parce que nous avons besoin de crucifier tel monde ou bien tel groupe politique, nous pas privé faire société avancer. Tandis que si bagaille était fait administrativement et légalement, j'en bouillot est fait là, nous avons fini à dossier peut-être qu'on arrive à longtemps, nous avons battu bravo pour nous, nous avons battu bravo pour nous. Moun ki sekretin ki était mal géré nous tapoué ça et moun ki volé nous tapoué tout mais n'est pas de l'étendre n'est que dans courir pour faire pour servir à dossier Petro-Caribé pour faire coup d'état sous Jovenel et pour ça ba la camper là et nous rivé jugeant c'est la loi l'oblige à appliquer il va ka fabriquer on va comme ça veut dire loi devant un tribunal devant la justice faut venir avec des éléments irréfutables pour que l'on va mettre moun nan bas code
pas qu'à gagner menti là-dedans. Par exemple, ils ont mis des Clifford Brandon Barcott, la justice condamne. C'est parce que ou gagne assez d'éléments qui montrent que mon dans kidnapping tout bon. Même gens tous les mouna volé, sous pas faire rapport sur la traçabilité des fonds. Comment on va le faire un élément dans mon pour mettre mon barcode. C'est pour ça ouais politiciens na populisation. Dans 4 ans qui sont passés, ils ont fait payer un pile dommage. Besoin pour voir sans parler dans l'élection. Ils ont fait des montages politiques pour essayer de faire un coup d'État. Et puis toute tentative coup d'État qu'ils ont fait en 4 ans, qui c'est 8 tentatives coup d'État, ils ont tout échoué. Donc ou même capitaine de là, pas quitter l'émotion qui doit faire politique. Lorsqu'on politicien tout bon quoi dans la démocratie, c'est dossier qu'on fait. Lorsqu'on fait dossier, on a bien raison devant la justice. Et là, Negio, c'est pays qui ont fait mal, les a fait approche politique à dossier. Moi-même, c'est pour ça que je toujours recommande les jeunes de faire approche technique, légale et constitutionnelle sous dossier. Et l'arrivée dans faire marathon, c'est au cap-gain. Problème n'est pas magistrat. Problème n'est pas, c'est ma bonne côté lié. Son groupe de politiciens, calmer tes nègres par eux dans le cours supérieur des comptes. Ils font nègres cours supérieur des comptes tant que Boisguéné a fait politique. Au lieu nègres, ils font technique. L'on prend 3 rapports Petro-Caribé que Boisguéné écrit avec 20 millions. Ils n'ont pas rendu pays à service. Cour supérieur des comptes doit faire un rapport sur la traçabilité des fonds. Il y a 398 projets qui sont approuvés. OK? Projet 1, qui compagnie qui devient comme là? Est-ce que Banque Centrale t'a débloqué comme bouli? Combien de cobbies ont été débloqués bouli? Cobbies ont débloqué pour compagnie ça, qui doit faire tel projet, tel côté? Est-ce que le projet a fait? Est-ce que le projet a commencé ou bien il n'est pas fini? Ou bien est-ce que comme la dépensé puis le projet n'a pas fait? Mais quand l'offre font un rapport qu'on s'amène, pas de personne qui a fait fréquent ni rien ça à moi. Moi-même depuis 2008, m'a goumé comme une trois premiers pétro challenger pays pour une rédition des comptes. Comment on voulait que supérieur des comptes font un rapport, fait 3 rapports sur Petro Caribé, n'a aucun rapport, non Robert Marcelo, président de la commission des marchés de l'État haïtien, qui n'est tout pour 80 millions Petro Caribé, puis non, c'est pas un rapport, non, mais. Il va jamais parler de monsieur dans la voie, non? Et pour montrer que vous avez des nègres dans le cours supérieur des comptes, je vous dis, c'est politique qui a fait, ce n'est pas pays qui a aidé. Vous n'avez pas besoin de connaître qui est dans le cours supérieur des comptes. Son grand bagaille, si vous faites travail bien, l'État marche bien. Vous avez fait politique pour aller pour populiste qui mettez en dedans. Ou pas qu'à faire, l'État marche comme ça. Lors dans l'État, où c'est le cours supérieur des comptes de tous les Haïtiens, ou pas qu'à un rapport politique. Et c'est une bagaille qui touille nous aujourd'hui. Le cours supérieur des comptes, à faire politique. Et c'est un anarcho-populiste qui vient avec bagaille ça. On sait d'institution l'État n'est pas canal politique. Pouvoir judiciaire pas canal politique. C'est pour ça que je me dégage respect pour M. Sylvestre qui tombe là. Oui, M. demande tout juge qui n'a politique démissionner. Parce que M. juge n'est pas compatible avec la politique. En même temps, tout le dit, tout juge qui a un cabinet d'avocat démissionné. Il n'est pas à la fois juge et en même temps avocat. Elle dit, on juger dossier qu'on gagne, c'est au avocat, ou elle déposer dossier à des vrais juges qui n'ont cabinet pour là. Cabinet pour là, tout gagne, la justice va fonctionner comme ça. Donc moi-même, avec le dossier Petro-Caribé, je retourne encore. Okay? Nous besoin un rapport sur ça relais, la traçabilité des fonds. Elle dit que, mais qui projet qui t'a approuvé, si sont l'école qui t'a dû faire, si sont route qui t'a dû faire, si, qui s'alté, mais combien de copes qui débloquent pour lui, est-ce que le projet a fait? Si le projet a fait, non, pas un problème. Est-ce que le projet a. Commencer le pas fini. Si le projet a commencé le pas fini, et on va regarder est-ce que COB qui était dépensé correspond à côté du projet arrivé. Troisième motion, est-ce que COB l'a dépensé et le projet n'a pas fait du tout. C'est ça le facile pour juger le mari nègre. Et le projet a commencé, le projet a commencé le pas fini. Si on voit que COB qui dépensé n'a pas correspond à côté arrivé, ou on va contourner même, ou bien on remet COB là. Et vous avez un coup supérieur des comptes, mais il fait gros dommage à pays à même. Et moi, je me trouve étrange que, même si je me trouve étrange tout, c'est que le ministère de la planification, après 3 rapports au supérieur des comptes, c'est responsabilité pouvoir exécutif là, à travers le ministère de la planification pour te faire un contre-rapport. A montrer que faiblesse ministère de la planification dans le travail que vous avez pour vous faire. Vaccination, son bagaille qui gagne en pile bon côté, mais qui gagne en pile risque sous la dalle. Premièrement, ou rien droit. Prend moun nan, ou alors dit moun nan, li vacciné ou ballon vieux vaccin, soit qui est périmé, soit qui pas bien conservé, à ce moment-là, moun nan pense le vacciné, le pas vacciné, le fait maladie. On est à l'oum, t'es vacciné, me fait malade. Ça fait yon. Parce que, en réalité, vaccin, ou obligé de contrôler depuis côté fait, non? Ou contrôler manufacture. Lorsqu'il est qu'on y a, ou à contrôler transport, parce que faut respecter ça, on chaîne de froid, pour pas jamais un moment,
en dehors de température que li gagne pour l'hier jusqu'à ce que li vienne en commune. Donc à ce moment-là, c'est pas un bagage que n'importe qui monde qu'a acheté parce que moi j'ai fait appel à professionnel de santé qui d'avait importer acheter vaccin pour le bail. Donc maintenant moi c'est pas un bon vaccin qui problème parce que vaccin contre fan. Actuellement, si on va en Afrique, c'est acheter pas acheter vaccin contre fièvre jaune dans pays qui demande le vaccin. Mais il y a une agence bien déterminée, que le ministère qui est contrôlé par le ministère, là, ou après le ministère, là, le prescrit le barou, ou après là, ou acheter, les deux comment pour acheter, l'ovine ou porter le bali, c'est lui qui est libre au vaccin, hein, et lui, le finir, le barou certificat dit ou vacciner. C'est comme ça le fait. Donc, comment le ministère, les paquets de monde, après le venir, autorisation, à droite, à gauche, et ce sera même des ordres, tests à eux qui peuvent le faire pour le vaccin. Alors que test là, ou font test, ou bien nous n'avons pas résultat. Ou bien nous n'avons pas résultat. Il n'y a pas faire agir sur nous. Mais ou pour un vaccin pas bien conservé, ou bien nous n'avons pas faire comprendre de vacciner alors que le pas vacciné vraiment. Donc il y a tout danger ça. Maintenant, deuxième bagaille. Nous testons pas quelques monde qui positif mais pas dans 15 symptômes. Cela nous est des asymptomatiques. Donc, moun sa yo, nous pas connaît, est-ce que si nous avons un vaccin, est-ce que le vaccin va développer la caillou une forme maladie qui grave? Ça c'est une pense. Ensuite, temps d'incubation. Nous, en période d'épidémie, c'est une période d'épidémie qui a fait nous courir à faire vaccin. Nous disons nous sommes passés par bagage ça déjà. L'épidémie, nous courir, nous faire vaccin. Nous faisons vaccin, nous vacciner des mouns qui étaient en période d'incubation parce que temps d'incubation doit arriver jusqu'à 14 jours et plus. Et moun ça yo devine une forme grave. Qui devine plus de mourir comme ça en période d'épidémie, si vous devez vacciner le monde. Est-ce que même bagala pas capable de certifier nous, mais est-ce que même bagala pas capable de produit dans le cas Covid là? Moi, je dis, c'est pour le ministère, là, Tachita, avec comité, un comité de support vaccination à ministère là, qui est là-dedans, tout le monde pratique une expérience sur le bagage. Association de santé publique, membres. Nous réunis jeudi à ce moment-là. Moi, association pas de cas là, parce que même qui représente nous, les malades, les hospitalisés, moi-même qui président association pour me là, moi j'ai gagné une autre réunion, moi j'ai essayé de contacter un autre membre qui compte représenter, qui connaît bagages ça, je ne peux pas contacter. Donc, à ce moment-là, à ça pas représenté. Mais réunion après jeudi, comité ça, pour qui ça, pour qu'on marche pressé, pour mercredi, pour ministère de son avis, dit mon dîme pour autorisation. Donc, ça, c'est bizarre. Et moi, je dis que, pour conclure, moi, je dis que tout le monde a fait erreur. Par contre, reconnaître erreur, c'est une note de sagesse. De grandir. Que le ministère reconnaître erreur, ça, que le faire, que le retirer à visa, que qui fait trop poler, que le chita autour, notamment avec le comité vaccination, là, s'il le faut, élargir. Et à ce moment-là, prendre la bonne décision concernant l'introduction du vaccin au pays. À savoir, contrôle ministère de santé publique, il y a droit, il y a une agence qui a besoin. Nous n'avons pas de problème avec ça. Parce que nous disons, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre, parce que le ministère va bien vacciner pour toute population. Or, pour un vaccin, il y a un effet vraiment pour couper une chaîne de transmission, il faut environ 80% de la population qui vaccine. Ça veut dire près de 9 millions. Donc, côté ministère, après, il est capable de vacciner 9 millions de monde. Donc, les gens qui ont comme je disais, ils prennent un avion là-bas. Il y a droit à une agence bien contrôlée par le ministère là. Qui nous deux qui sont capables de vacciner, que les gens qui ont le droit à lâcher dans les conditions, et à ce moment-là, qui fait vacciner. Au lieu, l'argent restera au pays, au lieu d'aller dans le pays. Ce n'est pas HCA qui est problème. Mais c'est tout respect des principes de la vaccination. Et l'un des petits qui font planification, nous c'est à planifier, mais nous nous prenons vacciner, mes quantités. Par rapport à l'autre tour et tout, la population a pris le bon ministère, a pris responsabilité, mais les gens qui ont acheté, a lâché. Donc c'est tout pareil ça. Et pour finir, moi-même, je dis, OPS, que dis-je rôle? Parce que nous-mêmes, Haïti, nous sommes rentrés dans la dynamique avec tout l'autre pays, région, pour nous fonder l'association, pendant que nous avons une épidémie dans la région. Pour ensemble, pour nous mettre ensemble, pour nous lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui, OPS, que assister le ministère là correctement de façon sans ingérence. Ça parle d'ingérence parce que le ministre, les membres du conseil directeur, c'est lui qui a nommé le directeur général pour faire le ministre comprendre, voici la norme, sans OPSL. C'est ça moi-même moi dit. Donc à ce moment-là, pour le bien-être de la population. Nous-mêmes, l'association de santé publique, nous disons, nous ne pas là pour seulement critiquer le ministère de santé publique. Nous là pour nous accompagner le ministère de santé publique. Parce que nous réunis toutes les sommités en santé publique, comme membre,
à ce moment-là, mission de baquette nous, c'est accompagner le ministère de la Santé publique pour nous développer le secteur A, puis bien pour créer bien-être pour la population. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, je ne dis pas comme critique, je dis comme apport de l'association à une dérive qui est capable de faire dans le ministère de la Santé publique de façon à ce que vous contrôlez. Vous retirez Avia et Chita autour de la table. Par contre, ça qui est décidé jeudi, si le pas complet, réunis-nous encore, fait un bagage qui est correct pour la population. Chita avec qui est-ce, docteur? Chita avec qui est-ce? Précisez pour nous, s'il vous plaît. Il y a des grands comités multisectoriels. Nous avons l'association Santé Publique là-dedans, nous avons l'AMH là-dedans, il y a l'autre association, il y a l'agence internationale qui est là-dedans. Donc, à ce moment-là, tout le monde sait, toute l'expérience qui gagne, pays à nous faire comme si il n'y a pas de monde qui connaît, pays à plein de monde qui connaît. Et fuck! Mon cap dirigeant parler avec mon qui connaît. C'est clair. Parce que nous tous, moi-même qui l'a, c'est pour du pays, papa m'a dépensé quoi pour me déformer. C'est six écoles de médecine, mais t'as pas moi. Là, si nous m'avons bouche, si vous m'avez étudié. Si vous m'avez étudié tout partout, avec tout bagaille, y compris gestion vaccination. C'est ça, Tunisie, vous pouvez mal étudier gestion vaccination. Donc, ce qui signifie, c'est pas un bagage ouais. Pays a investi dans nous. Nous, là, nous-mêmes, je dis, pour nous remettre pays à salban nous, c'est monsieur Chita avec mon qui connaît. Yo. De façon pour nous dire, mais planification, mais comment nous allons faire. C'est pas la bonne jouette. J'ai un pays, c'est bon jouette, si mon petit. Bah, si mon cap, là. Nous remarquons dans la société, à papa, il manque de valeur. Mais nous-mêmes, dans Papa Saint-Nicolas, nous te tiens à ce que, pour nous valoriser, papa, il ne façon pas nous. Comme ça, papa, il a pour qui il y a une importance dans la société. Et c'est grâce à papa, yo même papa dans Keskof yo travaille la terre pour yo capable faire éducation petite yo. Yo fait maçon. Mais puis gros bagaille yo fait c'est terre au travail pour yo capable valoriser petite yo qui vient docteur, qui vient ingénieur, qui vient toute qualité belle bagaille nouée dans société a. Bon, et pour faire des mères, c'était garçon qui te prend initiative pour yo te capable valoriser maman yo. Mesdames, yo même yo prend initiative pour yo capable valoriser papa yo, c'est pour yo montrer importance papa yo gagne dans société a. Nous honorer environ 70 papa dans paroisse là matin, mais après-midi nous gagne activité n'a continuer faire pour papa yo. De nos jours, nous toujours plus primés fête maman que fête papa. Donc nous-mêmes, jeunes paroisse Saint-Nicolas de Keskov, nous prenons jeudi pour nous honorer tout papa qui est dans l'église, qui fait partie de la communauté. Donc nous voulons honorer pendant que nous disons belles paroles, belles poèmes, et pendant que nous toujours respecté, continuer à vivre ensemble avec nous. Parce que il y a papa qui représente maman tout, il y a maman qui représente papa tout. Donc, faut nous valoriser parce que c'est potomitan famille, c'est potomitan pays, c'est potomitan monde là. Puisque tout papa était à l'honneur, jeune garçon tout dans l'église là, yo c'est futur papa, yo appelé à être papa. Donc nous toutes jeunes filles dans l'église Saint-Nicolas, nous avons décidé de chanter en façon pour nous dire merci, pour nous rendre fête papa plus belle. Dans la vie ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc je dis à tout papa qui a écouté, à tout papa qui a regardé, une très bonne fête. Toujours continuer à goûter pour la famille. Et je dis à tout le monde qui a attendu, qui a écouté, respectez papa nous, parce que papa nous représente en pile. Insécurité. Nouvelle opération de la police nationale d'Haïti au Cap Haïtien. Plusieurs morts et plusieurs blessés. La pénurie du carburant à travers le pays persiste. Qu'est-ce qui se passe dans la sécurité au niveau du palais national? Bah, on pourrait se mettre ça ensemble. Merci. On a commencé avec une dernière question. Premier ministre haïtien. Qui sera le prochain premier ministre haïtien? On a les... Il y a plusieurs monde. Et je vais me donner Sandé Souka et Sandé Lucas sur ce point ça. Et Sandé ne va pas être trop, non? On nous rete. Bonjour Sandé, comment nous est? Qui sera le prochain premier ministre haïtien? Nouveau désir. Bon, et constitution dit clairement bah, et qui est-ce qui a autorité constitution. Maintenant gouvernement. Attends, Sandé, venez aller. Ah, Sandé pas là. Oui, bien sûr. Ah, Sandé Lucay. Oui, on allez. OK. Oui, Sandé. Ouais. Bon, moi salut Luco, moi salut Lexido, Isaïe, Tatout et tout auditeur. Donc comme on dit, m'aller vite, m'aller vite et
bon, toute nouvelle qui a circulé concernant Dr. Aristide, ancien président PIA, c'est spéculation que vous voyez, et ça dit à correct, et si tu es un bagage tout bon, et son ancien président de la République, nous avons ambassade Cuba, nous avons ministère des Affaires étrangères, non seulement officiellement l'État a sorti une note sous ça, mais tout président PIA, qui a été ancien premier ministre PIA, il y a tout un secrétariat privé. Donc, il est tout à fait normal que ce rôle de secrétariat privé, président, ancien président PIA, pour aucun B, et ça fait dans toute démocratie, ici aux États-Unis, les présidents Jimmy n'étaient pas en forme, et le secrétariat privé sort un ordre qui dit mais dans quelle situation que lié, mais ça qu'a fait, mais comment la santé a évolué, etc. Mais vous connaissez tout, là, voilà, ça fonctionne l'autre jour, bon, faut réadapter au principe démocratique, ouais. Ouais, parce que oui, mais lui pas bon ni pour la valace ni pour liberté. Donc les monde qui dans la valace commence à organiser parti nous médecine président et puis et sorti des notes hebdomadaires qui dit mais qui Jean président hier mais qui ça l'a souffri mais comment l'a évolué c'est comme ça fait dans tout pays du monde la valace qu'on a visé c'est sorti dans le système. Alors je dis que lui ouais retourner conseiller la valace qu'on a. Non, moi-même, j'ai toujours été pour la construction des partis politiques et la construction des institutions démocratiques. Donc, conseil nous sur ce bail-là. Son bail qui n'a fait depuis à peu près 28 ans, n'a essayé d'aider les leaders politiques haïtiens fonctionner de façon moderne. Ouais. Et bien, avec IQ, un traditionnel, il n'y a pas marché. Nous, nous, monde moderne. Bon, Jean Bagay, il doit faire. Mais ou même personnellement, on n'a pas aucune information. Donc, sur ta santé président. Non, si tu es un bagage l'autre bois, tu as bien entendu déjà au courant. Okay. Ouais, donc pas gagné. OK. C'est mon qui a parlé, mon qui a fait rumeur, on est dans pile monde qui fait payer à fonctionner sous rumeur et qui nous endosse. Ouais. Mais on bail qui très important, monsieur Lavalasio, organiser le secrétariat privé de l'ancien président, même privé là comme ancien président, quel que soit ça l'a fait, il compte secrétariat privé qui a pas information. Ouais. Donc c'est faut nous faire bailler l'autre gens. C'est pour ça, c'est comme ça qu'il n'y a pas avancé. Pour avoir vaccin hein, et lutte contre le coronavirus, là, vient développer ça dans le monde là, en partnership et public-privé. Par exemple, et normalement, pour développer un vaccin, il prend minimum 5 ans. C'est parce que ici aux États-Unis, il y a un partnership public-privé qui fait conseil de compagnie privée, tant que Pfizer, Moderna ou bien Johnson & Johnson qui vient de développer vaccin. Hein, en moins de huit mois. Donc ça veut dire que distribution vaccin dans le pays panouan, faut bon partnership public-privé. Mm. Et vaccin Johnson & Johnson et Moderna, nous gagnons c'est des vaccins traditionnels, son vaccin traditionnel qui est vaccin coronavirus Johnson & Johnson et Moderna, nous gagnons infrastructure sanitaire et pour nous stocker dans le pays et pour nous distribuer. Tandis que Pfizer a les plus complexes, il besoin des bagages réfrigérés. Donc, est-ce que l'État haïtien a développé un partnership avec Coca-Cola en Haïti et la couronne? Parce qu'il y a des côtés réfrigérés très spéciales. Vaccin Pfizer a mandé une réfrigération spéciale. Nous pouvons avoir une infrastructure nationale pour lui. Pour lui, est-ce que nous avons développé un partnership public-privé avec la couronne et Coca-Cola pour nous faire ça? Nous sommes certains que l'autorité de l'État et le premier ministre, le ministre de la Santé publique, et la triap négocier. Mais on va être certain. Pourquoi ça j'ai la couronne avec Coca-Cola? Pourquoi ça? Bon, si il y a l'autre, parce que le conseil de réfrigération au besoin, il faut que c'est des compagnies spécialisées là-dedans. Si il y a l'autre compagnie dans le pays qui est spécialisée dans le domaine ça, et bien n'importe qui réfrigération, non? Parce que Pfizer est très complexe et très compliqué. Tout pas réfrigéré dans les conditions que vous mandez là. Et vaccin en gâte et même côté. Eh bien, même dans ce qui est dans ça, Sanelouka, nous avons dit que nous fonctionnons en gens nous-mêmes. Nous avons payé pour tout notre pays. Okay? Là, par exemple, pour le privé, il y a possibilité ça pour commander vaccins et puis pour le bail sur le marché. Nous avons très bien. Donc, il y a des couloirs capables de permettre que les rivières et notre niveau dans le peuple là. Et peut-être que l'État n'a pas d'assurance de rivière. Et là-dedans, nous avons des nègres tout qui profitent de faiblesse ça, et puis pour faire contrefaçon, et puis vous mettez la vie de la population donc plus en danger. Bon, moi-même, je pense que ça dit qu'il y a des possibilités, donc
c'est le ministère de santé publique pour garantir que ça va arriver. Mais on va qui certain, il y a 3 vaccins dans le monde là qui ba résultat. 87% monde qui vacciné dans le monde là aujourd'hui, c'est dans pays richeoyé. C'est 3 vaccins que observé avec yo cap marché, c'est Pfizer, c'est Moderna, Johnson & Johnson. AstraZeneca et Ligue les touye moun et il y a 60 pays sous la terre côté yo gen t'a fait procès contre vaccin ça. Vaccin l'autre vaccin qui sorti en Russie a pas bon tout. Donc pour le moment c'est 3 vaccins ça. Dans 3 vaccins ça yo, l'état haïtien gen un grand accord avec gouvernement américain et pour yo bay Moderna avec Johnson & Johnson là. Mais un bon bail très important. Il y a une catégorie qui ça les catégories qui plus vulnérable. C'est nous-mêmes et nous croyons que l'état c'est eux-mêmes qui va cibler d'abord. Qui monde qui dans catégorie vulnérable pour garantir que c'est eux jeune vaccin avant parce que c'est au camouri pivi. C'est monde qui gagne plus que 50 ans yo, monde qui souffre maladie cœur, monde qui diabétique, qui asthmatique et la crier, ministère santé publique qui entend développer un protocole spécial parce que tout monde qui a mouri dans semaine qui se passe là depuis parce que gombay et altaza fouti là qui réel. Virus l'elle qui était la Chine, il subit 54 modifications. Il y a les mutations, il y a monde qui est le variant. Il y a 5 variants qui plus dangereux. Numéro 1, c'est variant Afrique du Sud là. Numéro 2, c'est variant Angleterre, Brésil, Inde. Nous avons 2 cas en Haïti depuis et 8 9 mai. Et ces 2 variants ça, ça me dit correct, ces 2 variants ça, c'est pas qu'elle entre directement dans pour mon nom. Variant ça yo par rapport à ça qui entre le 19 mars là coronavirus qui entre le 19 mars là par rapport à deux nouveaux variants ça yo qui entre en Haïti yo 70% plus contagieux avec dit entre plus vite sous les entrées plus vite ça la vitesse de la lumière il va n'en perdre du temps côté pour l'entrée pour bon donc c'est ça crivé là donc c'est pour ça catégorie vulnérable c'est yo, non seulement qui doit respecter mot d'ordre d'autorité sanitaire yo, mais c'est eux même qui pour prendre vaccin avant. Bay ou te dit sous sécurité palais. Et bay ou te dit sous sécurité palais, c'est un petit problème vraiment dans Mexico problème. C'est un problème qui dure 3 jours. Problème qui dure 3 jours, c'est à cause de deux raisons. Madame qui qu'on fait manger à et en général fait manger dans palais, est tombé malade. Ou pas Haïti mon cher. Sécurité, tout le monde qui n'a pas l'air à manger sans problème. Stanley Lucas, plusieurs agents palais national à parler avec moi là, yo dû mentir au bail. Ouais, tellement yo dû pas on rien qui passer dans palais. Pas on rien qui passer dans palais. Et ça agent USP, agent USGPN, pas bien dans la police. OK. Mon paquet bail pas passer. Aïe, m'a parlé avec yo là. Mon bon nèg m'a parlé avec yo là, yo dit c'est mentir au bail. OK. Moi même pas faire. Information. Non, c'est pas donné comment moi dire. Et intervention que j'ai c'est suite à et conversation que moi-même personnellement, moi j'ai gagné hier avec 3 agents. Yon USP, yon USGPN. C'est un grand groupe à jouer. Yeah. Il faut gérer la sécurité du président. Il faut gérer la sécurité du président. Ok, allez, moi-même, je connais toujours factuel dans sa m'a dit, j'ai à peu près 28 ans, je ne peux pas mentir une fois. Ok.
Donc, moi-même, même ma prépète samedi, t'es contiratement pendant 3 jours à cause de monde qui compte faire magie à malade. Deuxième raison, t'es qu'on fait calme en finance qui prend plus tant que d'œuf, c'est ça qu'on est là. Et puis, troisième bagaille là, qui fait que pas gain un peu de monde n'a pas l'air, t'es qu'un des cas de coronavirus. À cause de ça, y'a vu qu'un des salariés, le personnel essentiel, surtout okay. Que le président lui-même, il va vraiment descendre. Donc, y'a pas besoin de compliquer, ouais. Et pour faire, nous t'es développé dans le début de l'émission, nous voulons l'État ceci, nous voulons l'État cela, nous voulons l'État. Moi, je suis d'accord avec le discours, ça. Mais bon, pour nous reconnaître, et ça m'a dit, ni Louko ni Lexi doivent comprendre. Pendant que nous avons dit nous voulons l'État fort, un groupe de monde dans le pays depuis 34 ans, il a goumé pour affaiblir l'État. Premier côté, il a affaibli l'État, il a affaibli l'État économiquement. OK? Oligarque d'abord. Tout bien l'État qui rapporte l'argent, il a pris la main l'État. Minotri d'Haïti. D'Haïti, Téléco, tout ça l'été a gagné et centrale de Saline, centrale Varoué, tout ça force l'État au niveau économique, il vole l'an mais l'État. Donc, mon premier côté a affaibli l'État. Deuxième côté qui a affaibli l'État, il a affaibli l'État politiquement. Qui côté a affaibli l'État politiquement? Avec une idéologie anarchie et populiste. Il a crasé l'armée comme institution. Il a empêché le Parlement de fonctionner. Bloquer le Sénat de la République pendant 4-5 ans. Et ils ont créé Fantôme 509 pour craser la police pendant qu'ils voulaient la police craser gang. Donc, on l'école politique dans le pays, capable de faiblir l'État. Et puis, pendant qu'on n'a pas faibli l'État, il y a un bon discours dans la radio, il faut que l'État fait. Bon bagaille. La police pour l'attaquer, village de Dieu. Ce n'est pas bien expérience avec Dimitri Vov qui était campé en face pour la police pour attaquer village de Dieu. Bon, le politique a pas faibli l'État. Et la raison qui fait qu'il n'a pas faibli l'État, c'est pour qu'un des systèmes que nous voulons. Système ça, que nous sommes d'accord qui doit changer. Quand nous sommes capables d'alimenter là, depuis le pays, ou même nous avons fait émission, côté Gédéné, précisément, qui a dit gang tiré sous la police pendant le pays. Et puis, nous avons 16 jours, nous avons dit, gang a fait ça, a attaqué le commissariat. Sans pas citer non, il y a deux journalistes qui montent sur la radio qui disent qu'il y a un peu commissariat dans la zone métropolitaine. Donc, moi-même, côté pour nous d'accord et pour nous mettre nous en temps, pour nous d'accord, nous ne pouvons pas avoir une différence entre nous là. Nous tous voulons l'État fort. On l'État fort qui a cassé un gang. On l'État fort économiquement qui a répondu à besoin du peuple là. On l'État fort socialement. Ça pour le faire dans le vaccin dans le domaine de la santé, pour le café. Mais en même temps, tout, mes amis, il faut mettre nous d'accord. Il y a deux écoles politiques dans le pays. Il y a l'école politique qui veut on l'État fort. Moi-même, je fais partie de l'école ça. Nous fait partie de l'école ça. Dixido fait partie de l'école ça et la trier. Mais en même temps, tout, on l'école à la copopuliste qui parle l'État fort. Il n'y a pas les services d'intelligence. Il n'y a pas l'armée. Il n'y a pas la police. Il y a empêché le Sénat à fonctionner. Ils mettent juste coup de cassation dans le coup d'État. Alors, ce n'est pas aucun côté dans la Constitution qui est un juge d'avis président. Donc, l'école, ça a crasé l'État noir, c'est l'école ça qui Saint-Domingue, qui a fait promotion pour les Dominicains et qui a parlé Saint-Domingue. Donc, mes amis, on met tête nous d'accord. Oui, nous voulons l'État fort, mais en même temps, en dedans pays, sans pas besoin de citer non, tout le monde qui a pris des émissions connaît qui est-ce qui travaille pour craser l'État. Donc, moi-même, je n'ai pas fait débat ça, moi je participe là-dedans. Parce que nous tous le pays qui a fonctionné. Nous voulons tout le monde qui est vulnérable, qui a le coronavirus, qui a un vaccin pour protéger la tête. Nous voulons, même pas un client de la gang. Tout le monde qui a une position par rapport à la gang. Quel que soit la gang, non. Quel que soit la côte, la gang n'est pas compatible avec la démocratie. Il faut que nous cassions rien. Donc, mes amis, on travaille ensemble pour nous construire l'État. Parce que nous sommes passés 34 ans. Vous savez, des nègres qui ont crasé l'État pendant 34 ans, je ne suis pas étonné que l'État a fait, vous savez, des bagages qui n'ont pas fait. L'État, ça, qui est conseillé de capacité économique, il n'y a pas de capacité économique, ça encore. L'État, ça, ou imaginons, en 1995, on est écouté qui a permis de faire gang dans le pays. Là, mais ça a cassé l'eau. Qui n'ont pas de capacité, ça, dans l'État, aujourd'hui. Donc, même nègres, ça, qui viennent craser l'armée, ils ont fini de craser la police, c'est nègre, ça a tout besoin de l'État fort. C'est eux-mêmes qui vont gagner aux arrêts. Donc moi-même, pour toujours honnête à tout le monde, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je respecte l'opinion politique, nous.
Mais dans le cas où nous vivons, il y a des choix pour nous faire. Est-ce que c'est nous voulons faire partie de l'école qui croit dans la démocratie, ou bien est-ce que nous faisons partie de l'école qui a la corruption par la démocratie? C'est ça que nous et Louko. Merci, Louko. Bonjour, Benou, et puis Esaïe, mets l'amour dans les femmes. Bon bagay. Ok, bon. Qui sera le prochain Premier ministre haïtien? Dans le cas où nous sommes là, un détail dans l'émission de débat, il faut nous sortir dans la question du gouvernement intérimaire. Là, parce que je dis là, Claude Joseph, son Premier ministre, qui est là par intérim. De toute façon, le président Jovenel Moïse obligé le gouvernement pour être capable d'avancer avec ça comme projet qui jusqu'à présent, entre guillemets, qui n'a agenda, qui c'est référendum, constitution également, élection. Hier, et selon l'analyse que nous faisons, nous voyons que hier, pas de question de référendum qui parlait. Donc, pour être capable d'avancer, il faut dire au gouvernement, il faut dire au Premier ministre. Mais c'est qui Premier ministre? Et je crois que nous avons parlé un peu du Premier ministre, du profil Premier ministre, donc vendredi matin, donc à l'émission Matin Débat. Qui sera le prochain Premier ministre haïtien? Qui nous gagne? Docteur Rodriguez Mario Eddy Gabriel. Docteur Rodriguez Mario Eddy Gabriel. Qui est-ce? Qui est? Caille blanc. Non, sous table. Solis là. En avance, qui nous gagne quoi? Magny Smith. Smith. Docteur Lidoui. Docteur. Docteur Smith. Docteur Smith Magny. Qui nous gagne toujours? Monsieur ancien sénateur Dera Simon Diocel. Sénateur Dera Simon Diocel. Monsieur sénateur Rudolf Choisil. Oui. Monsieur ministre Ariel Henry. Il n'y a pas de charge. On peut y aller là, on peut y aller ici. Aïe. Louko Désir. Oui, il y a besoin de charge ici. Louko Désir. Oui, paye ça. Il y a un côté. Qui est-ce qu'il y a? Fritz William Michel. Fritz William. N'est-ce qu'il y a? Oui. Sortim là. Attends là. Il joue dans la bataille là. Hey. Nous les sénateurs, vous êtes super infos là. Nous la rapide. Louko Désir, vous êtes là. Pourquoi vous êtes nègre là en opposition à Louko Désir? Non, moi ils sont tous dans le fond de l'homme. T'as glissé, non? Mais pays a pas crasé. Le nom du docteur Rodriguez Mario Eddy Gabriel. Ouais, tu comprends ça, mon bon nom? C'est non, moi ils sont sortis, oui. Le nom du docteur Rodriguez Mario Eddy Gabriel, c'est en nom opposition sorti. Mais vous allez abonner. Vous m'entendez? Oh, moi, je ne suis pas gagné. Moi, je pense que. Non, mais je ne sais pas. Qu'on fait pas gagné? Je pense que l'opposition du Dieu par là-dedans. C'est ça? Monsieur, Louko. Esaïe. D'abord, même vous allez abonner à la banque là. À quoi pas gagné encore? Monsieur, Louko. Parce que entre eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à entendre. Vous. C'est 11 candidats, l'opposition de gagné. 11 candidats. Qui est-ce là parmi Mounzao qui va le premier ministre? Mais je trouve que. Non, qui a plus projecteur sur eux, qui a plus lumière sur eux. C'est le docteur Magny. Smith Magny. Et puis. Le sénateur. Rudolf Choisil, candidat, là tout. Et puis Ariel Henry. Mais ça en plus dans bataille. Comme si. Et petit Choisil. Choisil ou Rudolf Choisil? Rudolf Choisil. Choisil va jamais accepter. Pas m'accepter. Et ça? Choisil va jamais accepter.
il va pas accepter sans condition. Alors, et condition, monsieur, pape. Ah, mais voilà. Pas, là, monsieur. Donc, monsieur. Il va pas accepter sans condition. Ça, je vais demander, Jazil pape. Ah, mais ok. Pape dans bataille. Ok. Alors, mais non, non, opposition, vous et moun. Mais déjà, pas un problème pour le ministre, chef là. Ah bon? À qui, Jean? Oui. Moi, je pense que. Pour samedi dernier là oui hein. Nous sénateur là dans tu gars avec nous là nous va faire parler avec lui. Aussi bon minute personnage. Allô c'est bon personnage. Vas-y donne. C'est bon personnage content de nous parce que debout dans politique debout dans nous une fois. Là comment les gars bagaille. Jean et chef là. Nous avancer comment Jean qui baille. Rodriguez et ouais va faire moi ça. Docteur Rodriguez, Mario et Di Gabriel. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.